Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ML Prod Jeunesse Ardennaise. Aujourd'hui, on se retrouve au Festival des Confréries. On va aller voir ce que ça donne. Une confrérie, c'est un groupe de personnes qui sont là pour promouvoir un produit. Un produit du terroir. Moi, c'est le pain d'épices. Je suis là pour parler du pain d'épices. Le grand maître, c'est le chef. Après, il y a des artisans, il y a des trésoriers, comme dans une assoce. Hein. C'est une assoce. On est ravis de sortir, de voir des gens, d'expliquer, de travailler et d'échanger. Nous, c'est la première participation, la première année qu'on vient. On trouve ça très, très bien. On est étonné du nombre de personnes qu'on a vues sur le parcours ce matin, qu'on a fait le cortège. Et nous, on essaye d'attirer les jeunes dans notre confrérie parce que c'est de plus en plus difficile d'attirer des jeunes dans les confréries. Mais chaque confrérie a une tenue, c'est ce qui les différencie toutes. Quoi. Donc ça sert à nous différencier des autres confréries. Mais on voit que ce n'est pas la première année qu'ils organisent ici. Quoi. C'est très bien organisé, très bien rodé. Et... Ça fait quand même maintenant 6 mois que nous travaillons sur le festival. Moi, je suis chargé d'organiser la venue des confréries et des producteurs. Mais là, le fait de grouper, on serait tenté de dire que normalement, ça devrait conforter la coordination des confréries. Pas forcément le cas, parce qu'on est un petit peu, c'est comme les équipes de foot, on est un peu individuel. Il n'y a pas de concurrence, puisqu'on ne va pas concurrencer la galette à sucre avec un autre plat. Hein. Mais l'esprit quand même de compétition fait que bon, on essaye de progresser hein, pour se mettre un petit peu en avant. Habituellement, il reste toujours 2-3 chalets comme ça, mais là, tout est occupé. Et là, je peux vous dire que, à l'heure actuelle, là, soulagement, parce que tout le monde est là, et maintenant, bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre bah, la venue des visiteurs. C'est ça un petit peu, c'est le rapprochement des confréries. Et ça, je pense que les jeunes maintenant et les gens en général ne savent pas que c'est une confrérie. Parce qu'ils imaginent que c'est une confrérie religieuse. Or, il y a des confréries religieuses, mais nous, c'est gastronomique, ça n'a strictement rien à voir. Et quand je vais en confrérie, je parle avec tout le monde, comme vous le voyez. Et j'aime bien rire en plus. Le rire est le propre de l'homme. Et la grimace est plus belle quand on rit. Et vous allez y rencontrer, et vous allez vous faire de nombreux amis. Parce qu'en confrérie, c'est ça aussi, c'est l'amitié. Car s'il y en a, il y en a pas, il y en a pas, il y en a guère. Car s'il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas comme vous, il n'y a pas comme vous, il n'y a pas comme vous. S'il y en a, il y en a guère, il n'y en a pas comme vous, il n'y en a pas comme vous. S'il y en a, il y en a vous. Si vous dormiez à pas fermer, que les bombards se mettent à sonner, n'ayez pas peur, elles sont chez nous, elles voulaient juste boire un coup. Y'a pas comme nous, y'a pas comme nous, si y'en a la guerre, y'a pas comme nous, y'a pas comme nous, si y'en a y'a pas beaucoup. C'est très coloré et très en musique. Bon, pour l'instant, les stands d'alimentation, on a juste regardé, mais on va les déguster quand même. Il faut faire. Il ne faut pas mourir idiot, il faut goûter à tout. Ça n'a rien à voir avec la confrérie. La vraie confrérie, mais quand on les voit gros comme ça, avec une puissance terrible, et être si gentil, on peut se poser aussi des questions, quoi. Oh, c'est costaud. Hein, ça. Non, tu n'auras pas mon écharpe. Tu es gentil, mais tu n'auras pas mon écharpe. Tout d'abord, on est ardennais et fiers de l'être, donc on est fiers de faire partie des confréries. Ensuite, on a des amis qui font partie de la confrérie de la galette à sucre. Donc on vient les voir, leur dire bonjour. Merci d'avoir regardé, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.